Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un méga haul action, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais juste avant je vous montre ce que j'ai pris chez Jiffy. Donc tout d'abord je suis assise dessus, c'est un siège à bascule, je me rappelle plus son nom, mais en tout cas je l'ai pris blanc, il est super beau, on l'a monté hier avec ma soeur, heureusement qu'elle était là parce que moi je suis nulle, mais c'était assez simple à monter, voilà, elle dit très facile. Je vous mettrai des images, mais en tout cas j'adore, et en plus si ça vous intéresse, en ce moment ils sont en promo à 39,90 au lieu de 49,90, donc voilà, ça vaut le coup, allez dans votre Jiffy si vous le voulez, c'est le moment. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est aussi sur le dernier prospectus, c'est pour ranger les chaussures et ça se suspend derrière une porte ou où vous voulez, en tout cas c'est fait pour être mis derrière une porte. Vous pouvez mettre 30 paires de chaussures à l'intérieur. Donc forcément, faut pas qu'elle soit très, très large. Hein. Vous voyez, vous pouvez mettre deux paires de baskets, une paire de tongs par exemple. Mais voilà, trois paires de baskets, ça rentre pas. Pareil, je vais vous mettre des images. On l'a monté là, c'était un petit peu plus galère, mais ça se fait quand même. Et puis sinon, j'ai pris ceci, donc des petits rubans adhésifs attrape-mouche. J'ai plus de voix, j'ai trop mal en plus. Mais voilà, donc c'est sans insecticide, il y en a 4 à l'intérieur, ça coûte 1,90€ et voilà, ils sont super bien parce que comme vous pouvez voir, à chaque fois il y a une mouche qui traîne dans mes vidéos, on est envahi, on ne sait pas pourquoi, mais bon voilà, du coup ils sont pas mal, c'est pas très beau accroché, mais voilà. Donc voilà, maintenant on passe à action. Donc déjà il y a ça, c'est un squish mal, là, squeeze à mal. Squishy animal. Squishy animals. Non, j'en ai marre, j'ai trop mal. Ça s'appelle squishy, des trucs comme ça. Et ça, c'est un squishy animal. Ah oui, d'accord. Enfin voilà, vous voyez ce que c'est, ils sont parfumés. Ça, c'est la série numéro 2, ils sont vraiment trop beaux. Il y en a plein des nouveaux dans la, dans mon action. En tout cas, il y en a plein des poilus, tout ça. Donc c'est ma soeur qui me l'a acheté. Donc normalement, ça coûte 2,89€, je crois. Et vraiment... Il sent un peu les baies, enfin je sais pas, il sent trop bon. Il sent encore meilleur que la série numéro 1. Voilà, un petit hérisson, il est vraiment trop mignon. Ensuite, ils ont sorti plein de trucs pour faire des emballages, donc j'en ai pris. Donc déjà, j'ai pris des cartons comme ça, enfin c'est des enveloppes qui sont un petit peu épaisses, pas énormément. Donc là, vous les voyez très grosses parce qu'en fait, il y a les bords hein, que vous repliez, que vous collez. Mais ils nous disent A4, donc non, c'est pas A4, hein, ça doit être... Peut-être pas tout à fait A3, mais en tout cas c'est pas du tout A4 parce que vous voyez, vous pliez ce bord là, sinon ben voilà, c'est beaucoup plus gros que du A4. Donc dedans vous en avez deux, donc là vous avez ce modèle avec celui-ci et derrière comme ça. Et je crois qu'il n'y a que deux sortes, peut-être trois, enfin en tout cas voilà, j'ai pris sinon celui-là. Et derrière, c'est comme ça. Donc, vous en avez deux par paquet. Donc là, vous avez vu le verso. Et dans l'autre, c'est emballé de façon à ce que vous voyez le recto. Mais bon, je pense que c'est un petit peu une coïncidence. Je vais vous dire pour vous montrer quand même. Donc voilà, par exemple, la rose comme ça. Là, c'est marqué « Something just for you ». Vous mettez l'adresse de la personne à qui vous voulez l'envoyer. Les timbres ici. Et puis derrière, « From », vous mettez ben, votre adresse à vous. Au cas où il y ait, ça arrive pas au destinataire, que ça puisse vous être envoyé. Et puis je vais la plier pour vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Donc ça se monte facilement, après vous n'avez plus qu'à scotcher un petit coup. Et voilà, au moins c'est costaud, c'est dur. Et ça coûtait vraiment pas cher. Toujours pour envoyer des petites choses, il y a des tubes comme ça en carton. Donc pareil, c'est le même principe, c'est tout. Enfin, c'est les mêmes modèles. Hein. Donc moi j'ai pris ces deux-là. Voilà. Mais vous pouvez marquer ben, l'adresse. Et bah, je crois que l'adresse à laquelle vous envoyez, ça ferme bien. Voilà. J'ai aussi des petites enveloppes, même principe, enfin la même collection. Mais voilà, on les verra plus tard parce que là je sais pas où ils sont dans les sacs. Sinon j'ai pris cette petite tarte noire toute mignonne. Il y avait plein de modèles, elles étaient en promo je crois. En tout cas oui, c'était dans les promotions. Donc moi j'ai choisi comme ça. Ah bah j'avais caché le ticket. Aimanté, vous avez deux portes et un petit tiroir. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'était pour faire une vidéo licorne, voilà, le serre-tête avec les oreilles et la corne, et puis vous avez le petit collier de fleurs hawaïennes. C'est rose, il y avait plein de couleurs, et là je viens de voir qu'il a été cassé dans le sac, donc voilà.
Autrement, j'ai pris deux petites lampes néon comme ça. Donc le flamant rose pour moi qui s'allume en rose et le cactus pour ma soeur en vert. Quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Hein. C'est en plastique. Et dedans, on met trois piles AA qui ne sont pas fournies. Sinon, j'ai pris une petite gourde comme ça, enfin une petite bouteille en plastique pour ma maman, puisque la sienne, elle l'a mis trop près du four et elle a fondu. Et dessus, donc c'est marqué You are magic, voilà, avec une petite étoile. Il y a plein d'autres modèles, voilà, ils les ont changés récemment, c'est des nouveaux modèles, ils sont très belles, je ne me rappelle plus là comme ça, mais sur le coup, je les trouvais belles. J'ai aussi pris ceci pour emmener, donc pour mettre du yaourt, au-dessus, vous pouvez mettre du muesli, des fruits secs ou des fruits voilà, coupés en morceaux, des fruits rouges, n'importe ce que vous voulez. Vous avez la petite cuillère, c'est en caoutchouc là comme ça, et ça tient tout seul, enfin, on peut la clipser dedans. Voilà, je trouvais que c'était vraiment pratique, il y avait plein de couleurs aussi, moi j'ai pris un petit peu vieux rose comme ça. Il y avait aussi tout un arrivage pour la Saint-Valentin, c'était vraiment super mignon. Donc moi j'ai pris des petits cadenas en forme de cœur comme ça, trop mignon. Donc il y avait aussi rose clair et il y avait peut-être une autre couleur, je sais plus. En tout cas j'ai pris un rouge pour ma sœur et un rose fuchsia pour moi. Vous avez la petite clé en cœur et tout, c'est trop chou. Et j'ai pris des ballons en forme de cœur aussi qui se gonflent avec une paille. Et qui sont trop jolis comme ça, un peu, ils disent ballons d'aluminium. Donc le rose marqué bisous avec des empreintes de lèvres. Et le rouge marqué mon amour avec des petits cœurs trop jolis. Il y en avait d'autres, pareil je ne me rappelle plus mais ils étaient tous très beaux. Je vous ai peut-être mis même une photo du rayon sur Insta. Parce que voilà, je crois que c'était trop chou. Il y avait des petits chocolats, il y avait des petites boîtes, il y avait des petites bouteilles pour mettre un petit mot comme une bouteille à la mer. Enfin, c'était trop mignon. Donc d'ailleurs, moi, j'ai pris aussi une petite boîte comme ça pour faire un cadeau. On avait besoin d'une, donc j'étais contente de la trouver. Et il y avait aussi avec des cœurs, il y en avait d'autres. J'ai aussi pris des petites assiettes en carton que je trouvais trop belles comme ça. Donc c'est holographique. Donc moi la première fois il y avait que ça, enfin que cette couleur, mais ensuite quand je suis retournée il y avait plein de couleurs. Mais en tout cas elles sont trop mignonnes et puis ça coûtait vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles, donc c'est tous des créoles, il y a différents modèles et différentes attaches à chaque fois. Il y avait souvent argenté, rose gold et doré. Donc j'ai pris celle-ci en argenté, celle-ci en rose gold et les autres c'est aussi rose gold. Donc voilà, celles-ci ont des formes un peu spéciales, celles-ci ont des petites perles. J'ai pris deux petits cadres comme ça, un rose clair en forme de cœur. Vous pouvez l'accrocher ou alors le poser. Hein. Et puis un rond blanc. Ensuite, j'ai pris des petites patterns comme ça, donc on peut accrocher des choses. Hein. Donc on nous dit décoration murale. Voilà, on peut pas mettre des choses trop lourdes, hein, bien sûr. Mais là, c'est un peu en relief, c'est en avant ce côté-là, donc vous pouvez accrocher quelque chose. Donc j'ai pris le cactus en blanc et en rose, le flamant rose. Vous aviez aussi des ananas et je crois qu'il y avait des palmiers aussi. Mais là, sur l'emballage, on voit que ces trois-là. Vous en aviez des jaunes, des noirs, des roses, des blancs. Je crois que c'est tout. Ou des verts aussi. J'ai pris un faux cactus que je trouvais très mignon. Il y avait plusieurs sortes. Le pot changeait aussi à chaque fois en fonction du cactus à l'intérieur. Et voilà, il était mignon. J'ai pris des petites pinces pour les cheveux. Il y en a deux et c'est un design... tropical comme ça, j'aimais bien feuillage. J'ai pris des sacs comme ça qu'on aspire pour faire le vide d'air comme ça. On s'en est servi et ils sont très bien. J'ai vu des personnes qui disaient qu'ils étaient nuls. Enfin nous ça était bon. On n'a pas réussi à bien vider, mais en même temps notre aspirateur est pas top. Et enfin voilà, il y en a deux dedans et ils font pas les deux la même taille. Il y en a un qui fait 130 par 74 et l'autre 86 par 50. Voilà. En tout cas, ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher. Alors ça, j'étais tellement contente de le trouver. C'est un petit appareil, un petit rasoir à bouloges. Pour enlever les petites bouloges que vous avez sur les vêtements. Ça marche super bien. Pour la petite histoire, quand je travaillais chez Lidl, il y en avait souvent. Et je me disais, oh, faudrait que j'en achète un. Ça coûtait 10 euros, je me rappelle, 9,90 ou 99. Voilà, et en fait, chez Action, c'était beaucoup moins cher. Et je savais qu'il y en avait des roses parce que j'avais vu sur les groupes sur Facebook des personnes qui en avaient acheté des roses. Et je trouvais pas, j'ai tout fouillé, j'ai dépilé pour empiler juste à côté tout ça. Et le dernier en fait qu'il y avait dans le rayon, c'était un rose. Sinon il existe aussi en noir ou en blanc. Et le devant comme ça, c'est transparent.
Mais ça marche vraiment super bien. Pour ma soeur, j'ai pris un morceau de tissu en velours. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait noir, il y avait gris comme j'ai pris, il y avait gris foncé et il y avait un peu beige. Ça mesure 28 cm par 270 cm, voilà. Comme elle fait de la couture, ça va lui servir. Sinon, j'ai pris un petit tableau comme ça, une petite ardoise avec une partie liège et une partie Velleda. Vous avez aussi le petit stylo avec un embout pour effacer. Et vous avez deux aimants. Je vous avais montré que j'avais pris des petits coussins comme ça. Je crois que c'était des cœurs blancs. Et ben j'ai repris un petit cœur rose et une étoile grise. Enfin, j'ai pris une petite trousse, elle a été abîmée dans le sac. Voilà, c'est avec les petites bêtes qui ont les yeux qui brillent, là, les yeux à paillettes. Elle est pareille au recto et au verso. Donc vous avez Lazy Daisy et Suzy. Sinon j'avais pris celle-ci et celle-ci. Aussi avec les petits yeux qui brillent. Et là vous avez le petit chat, comment ça s'appelle avec la corne? Lamantin. Un lamantin, je crois. Et un petit cygne que vous voyez presque pas. J'ai pris une pochette comme ça qui est hyper épaisse. Donc on met des documents, une chemise. J'espère que ça va pas se casser les élastiques parce qu'au magasin, quand j'ai voulu en prendre une, enfin l'ouvrir pour voir à l'intérieur, l'élastique a pété, ça m'a claqué le doigt. Donc j'espère que celle-ci sera un peu plus costaud. Surtout que en fait dans le rayon plus loin il y en avait plein qui étaient cassés. Ben voilà. J'ai repris des box comme ça de rangement pour mettre dans les meubles Kallax ou du style. Donc là ça mesure 31 par 31 par 31 je crois. Et vous savez c'est à paillettes réversibles. Donc moi j'ai pris encore les mêmes blancs et argent dorés. Donc, voilà. Donc ça c'était cadeau, on nous l'a offert à la caisse quand on y a été après Noël. Donc des petits sucres d'orge qu'ils avaient mis en vente juste avant Noël. Ensuite j'ai pris des petits calepins comme ça avec le stylo 4 couleurs. Je crois que c'est 4 couleurs. En tout cas voilà, les stylos étaient vraiment beaux. Donc j'ai pris Cendrillon, les emojis Disney et Mini Mickey. Ensuite j'ai pris ceci, donc des ballons qu'on gonfle mais en forme de licorne. Et en fait il y a longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on doit le faire avec ma soeur, je vous avais dit que si ça vous intéressait on pouvait essayer de faire une balle anti-stress remplie d'orbises mais géante avec ça. Et du coup on avait acheté des ballons comme ça mais tout simple. Et là du coup je les ai vus en licorne, je me suis dit tiens je vais prendre ça. Et par contre je me rappelais plus, j'avais acheté les orbises et tout. Il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de le faire. Donc voilà, j'ai pris un blanc et un vert. Ça sentait super bon dans le sac parce qu'en fait j'ai pris des désodorisants comme ça à mettre dans les armoires ou enfin en fait où vous voulez. Et j'ai pris des recharges qui vont avec, ça coûtait vraiment pas cher du tout. Donc en fait les recharges c'est des petites cartes que vous glissez à l'intérieur. Donc j'ai le noir, je sais pas, enfin ça sent vraiment le parfum, ça sent très 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 bon. Normalement ça dure 60 jours pour les petits espaces on nous dit. Donc voilà, il y avait que ce parfum là pour le... Enfin, pas la recharge quoi, le truc entier. Et sinon en recharge j'ai pris blanc, donc dedans vous avez deux cartes. Ça sent super bon aussi mais je sais pas ce que c'est, ça s'appelle Blanco. Et celui-là par contre il était percé mais je l'ai pris quand même parce qu'il sentait très bon. Mais là ça fait un moment qu'il est dans le sac puisque ça fait un moment que je dois filmer et que je le fais pas. Et celui-là c'est Azul, donc bleu. En tout cas, ça sent vraiment super super bon. Moi, je vais en mettre dans mes armoires. Donc, j'ai repris cette chaufferette-là. Je vous l'avais déjà montré avec la petite licorne. Mais là, c'est pour ma sœur. Parce qu'elle la trouvait belle. J'ai pris les boules à neige. Comme ça, je les avais montrées sur Instagram. Donc, l'ananas qui a beaucoup de paillettes, celui-ci. Le palmier, c'est pour ma maman. Et le cactus. Donc j'en ai pris deux, un pour ma soeur, un pour moi, le cactus. Et j'avais aussi pris la chouette, ou un hibou, c'est peut-être un hibou, pour ma mamie, et on lui a déjà offert. On lui a offert le jour même, parce qu'on devait l'avoir. Mais voilà, ils étaient vraiment...
Vraiment trop belle, c'est boule à neige et c'est en plastique. En make-up, j'ai pris la nouvelle palette pour les sourcils, donc c'est celle-ci. Je crois qu'il n'y avait que cette teinte-là. Enfin, je crois qu'il n'y en avait pas plusieurs. Dedans, vous avez un miroir, vous avez trois couleurs pour les sourcils, deux highlighters, un petit pinceau mousse, un autre petit pinceau, mais qui n'est pas top top. Et un petit goupillon. Ensuite, j'ai pris des faux cils. Voilà à quoi ils ressemblent. Il y a trois paires dedans. Elles sont les trois différentes. Voilà, elles sont belles. Enfin, ils sont beaux. Ensuite, j'ai pris des pinceaux comme ça, un peu sauvages. Avec le packaging léopard. Et les poils sont de différentes couleurs dans les marrons. Donc, vous avez un poudre et un pour le concealer. Ce que vous voulez. J'ai pris deux rouges à lèvres comme ceci, là, avec les packaging avec des étoiles. Le 101 et le 100. Voilà. Il devait y avoir deux ou trois autres couleurs. Il y avait des roses. Voilà. J'ai pris des masques. Donc, ceux-là, je les ai trouvés hier. C'est des masques pour les cuticules. Donc, apparemment, vous les mettez que en bout de doigt. C'est nourrissant, hydratant. Il y en a 10. Bah, voilà, pour les deux mains, quoi. J'en ai pris deux. Un pour moi, un pour ma maman. Et sinon, j'ai pris ceux-là, là. C'est un nouveau design et c'est un lama. Et celui-ci, c'est quoi? Hydratant, rafraîchissant. J'ai pris un petit miroir avec des strass en forme de bouche. Vous avez un côté grossissant et un côté normal. Voilà, c'était mignon. Il y avait léopard marron, léopard rose. Puis on avait d'autres, je ne m'en rappelle plus. J'ai pris une gelée démaquillante à l'eau de rose. Je l'ai testée hier soir et je l'ai retestée ce matin. J'ai beaucoup aimé, déjà elle m'a pas piqué les yeux alors que je suis assez sensible des yeux. Et ça m'a laissé la peau douce et assez rebondie. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus ça sent bon, c'est léger. Voilà, je vous la conseille. J'ai pris ceci pour le set de masques comme ça. Donc vous en avez quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je vais l'ouvrir, oui, il y en a 5 dedans. Et par contre, je l'ai payé plus cher qu'indiqué. Donc voilà, il était affiché à 3,95€, je l'ai payé 4,15€ ou quelque chose comme ça. Ça m'a un peu énervée. C'est pas la première fois et à chaque fois, c'est quand je rentre chez moi quand j'ai beaucoup de choses dans les bras, tout ça. J'ai pas le temps de regarder sur le coup et qu'une fois arrivé chez moi, je me dis, eh ben voilà, je l'ai payé plus cher que ce qui était écrit. Donc j'en avais pris qu'un, il en restait deux. J'en ai pas pris pour ma maman parce qu'il était tout craqué. En fait, je me suis rendu compte que le mien aussi était craqué. Donc quand vous ouvrez, ça se présente comme ça, c'est très joli. Et en fait, ça fait des pages avec les différents masques. C'est très beau. Donc dedans, vous avez le pré-traitement purifiant au charbon. Ça enlève l'excès d'huile, en fait, des pores. L'excès de sébum et ça nettoie les pores. Ensuite, sur le revitalisant au rétinol, il y a de la vitamine A et de l'acide hyaluronique. Ensuite, un booster à la vitamine C avec du collagène et l'extrait de grenade. Ensuite, à l'argan hydratant nourrissant. Vous avez aussi de l'acide hyaluronique et des aminoacides, comment on dit, acides aminés. Hydratant au collagène qui donne de l'élasticité à votre peau. Il y a des antioxydants dedans. Enfin voilà, c'était assez sympa sur tout le packaging comme ça. J'avais pris ça, c'était en promo ou non, peut-être pas. Chocolat, fruits et noix, un mix comme ça. En fait, vous avez des noix de cajou, des amandes, tout ça qui sont recouvertes de chocolat noir, au lait et blanc. Et par contre, il était craqué. Donc c'est un peu tombé. J'avais pris des Nutella Be Ready parce que j'avais envie d'en manger. Il y en a 6 dedans. C'est pas là-bas que vous les trouvez moins cher, mais voilà. J'avais pris des chips en forme de hashtag. C'est censé être au fromage. Ça sentait un peu l'oignon. Je trouvais ça piquait à force. Je les ai pas trouvés top. J'avais pris une petite boisson licorne comme ceci, avec une petite licorne qui est vraiment toute mignonne. C'est fraise framboise. En fait, on dirait du sirop de grenadine ou de fraise. Enfin, ouais, ça sent un peu la framboise aussi. Et vous avez une petite carte à enlever, voilà. Pour les collectionner. Ensuite, j'ai pris de la colle comme ça, donc vous en avez 3, c'est de la colle forte. Pour la céramique, le caoutchouc, le bois, le métal, le verre, le plastique, elles font 3 grammes chacune. J'en ai déjà acheté, elles sont très bien.
Ensuite, j'ai pris des petits porte-clés comme ça. Donc, il y en a un pour un futur concours. Je pense aux 5000 abonnés, je ferai un concours. Donc, voilà, la licorne avec des paillettes à l'intérieur et ça bouge. Et le flamant rose, pareil. J'ai pris du washi tape. Voilà, il y a le dérouleur. Et c'est holographique. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait un autre paquet avec d'autres couleurs. Voilà, moi, j'ai pris celui-ci. J'ai pris deux petites choses comme ceci pour écrire un petit mot, enfin faire une décoration. Donc j'ai pris Hello qui est en rouge, rose, et Dream en gris. Il y avait aussi, je crois, Love ou Home. Voilà. Dans les trucs de Saint-Valentin, j'ai pris de quoi faire des petites cartes. Donc vous avez plein de petits cœurs, toutes les couleurs en mousse. Vous avez des paillettes et des petits bonbons. Ma soeur, je lui avais pris un squashy mall. Donc j'avais pris le petit éléphant rose, trop mignon, vraiment. Oh, puis ça sent trop bon. Voilà. J'ai pris deux petites planchettes à clips comme ça. Donc celle-ci avec le clip rose gold marqué Have a good day. Et celle-ci avec les feuilles vertes pour faire des to-do list en fait. Voilà, il y a des petites étoiles sur le plexi. J'ai pris une nouvelle petite trousse pour le make-up parce que je vais devoir partir pour mes cours. J'ai une semaine à Besançon et j'avais plus de trousse. La mienne, j'avais dû l'acheter parce que ça s'était renversé à l'intérieur. Voilà. Donc voilà les petites enveloppes à bulles dont je vous parlais. Donc vous avez celle-ci et celle-ci. Sinon, j'avais pris des enveloppes comme ça, pareil, mais blanches. Là, il y en a 5 à l'intérieur. Ça fait 175 par 265 à l'intérieur et à l'extérieur 200 par 275 mm. J'ai pris des feutres Velleda parce que j'en ai besoin pour mon stage. Donc vous avez les 4 couleurs, rouge, vert, bleu et noir. Voilà. J'ai pris un shampoing sec comme ça. Donc ma soeur m'a fait remarquer qu'on en avait déjà vu chez Action, sauf que là ils ont juste changé le packaging. Mais ça fait longtemps que j'en avais pas vu quand même. Donc voilà, nettoie, rafraîchit et volumisant. J'ai pris en promo un shampoing, un après-shampoing de la marque Timothée. Ça, j'adore. Ça me convient très bien à mon type de cheveux, à mon cuir chevelu, tout ça. Donc, c'est le Nutrition Intense. C'est à l'avocat, enrichi en huile d'avocat. Et ça sent très, très bon. Voilà. Pour rester dans la douche, j'ai pris une fleur de douche parce que la mienne, ça fait un moment que j'ai. Donc, je vais l'acheter, la remplacer par celle-ci. Et puis, Et puis j'ai pris un gel douche Nivea en forme de mousse parce que j'adore. Et celui-ci c'est vanille caramel. Voilà, c'est une édition limitée. Sinon j'ai pris 3 petits sérums. Donc il y en aura un pour ma maman. Il y a celui-ci avec de l'or à l'intérieur. C'est le Golden Collagène pour le visage et le cou. Illuminateur et anti-rides, enfin Cinder, je sais plus, c'est marqué, c'est en anglais. Sérum de traitement intense formulé avec de l'or et du collagène pour une peau hydratée et lumineuse, réduit les signes de l'âge, voilà, pour celui-ci. Donc c'est de la marque Elisa Jones. Sinon j'ai pris le bleu, donc c'est aussi un sérum pour le visage et le cou, nourrissant, est-ce que c'est pour de la fermeté, de l'élasticité. Et celui-ci on voit pas à travers, il y a juste l'image, et c'est le Glow Super Elixir pour aussi le visage et le cou. Il y a 95% d'ingrédients naturels, et c'est quoi, nourrissant, pour donner de l'éclat. Et il réduit les signes de l'âge. Et il est nourrissant. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Parce que je ne sais pas si je vous avais montré dans un haul. Ma soeur m'avait acheté une tasse. Quand j'écris mon mémoire sur mon ordinateur à mon bureau, j'aime bien avoir ma tasse près de moi. Et du coup, je m'étais dit qu'il me fallait comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié le nom, mais vous voyez de quoi je parle. Et en tout cas, voilà, je trouvais ça joli. Donc là, c'est plutôt pour mettre... C'est dans le rayon avec les bougies, tout ça. C'est pour mettre des bougies... Des chauffe-plats. Enfin voilà, moi je m'étais dit que ça irait très bien pour la tasse. Ça fait 10 cm de diamètre. C'est en verre. Il y avait différents modèles, donc moi j'ai choisi celui-ci avec du doré. Bon, je retrouve toujours pas le nom, ça m'énerve un peu, mais bon, voilà.
Parce que là, pour l'instant, j'avais un bout de sopalin plié en 4. Donc ça sera mieux, ça sera même beaucoup mieux. Hier, j'ai trouvé ces petites boules à neige vraiment trop mignonnes. Donc le cactus comme ça, marqué natural plant. Et le flamant rose, je crois qu'il y avait un autre truc, je ne me rappelle plus. Donc le flamant rose, je l'ai pris pour ma maman. Je l'ai pu offrir quand elle va rentrer. Marqué tropical love. Vous avez deux flamants roses qui se font un câlin. J'ai pris un pompon porte-clés licorne, comme ça avec la corne, je me suis coincé le doigt. Voilà, en rose, il y en avait d'autres, il y avait aussi d'autres sirènes et tout, mais voilà, j'ai pris que celui-ci. Voilà. J'ai pris un spray comme ça, dégivrant. Voilà, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, je vais tester parce que des fois, j'en ai un peu marre de gratter ou des fois, c'est vraiment dur avec les deux mains et tout, c'est hyper épais en ce moment. C'est jusqu'à moins 45 degrés, il y en a 500 ml et voilà, à tester. On passe aux deux derniers articles. J'ai pris des planches comme ça pour mettre, pour se poser, pour pouvoir écrire. Donc moi je préfère plutôt que d'écrire sans rien en dessous. Donc celui-là qui est très joli, rose avec comme des étoiles marquées en doré follow your heart. Donc suis ton cœur. Ça s'ouvre et vous pouvez, il y a des pochettes en fait. Vous pouvez voilà, ranger des choses dedans. Et celui-ci qui a le design d'un calepin que je vous avais montré sur Insta. Donc voilà, je ne l'avais pas acheté, j'avais juste pris la photo. Et là par contre j'ai pris la planche. J'ai pu tester grâce à Guiran Beauté un gel UV et LED pour les ongles de la marque Beauté Live qui coûte 8,10€. Et c'est un MyColor. Donc la teinte est super jolie, c'est la 55 chérie. Il s'applique super bien, il est très opaque, une seule couche a suffi. Et puis il ne coule pas du tout. Donc bien sûr, je l'ai fait mettre par une spécialiste des ongles. On l'a séché sous main plaid. Et puis je vous laisse admirer le résultat. Et puis vous avez un petit code promo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.